voices in my head. They count to me, they understand, they talk to me. Hey tout le monde, c'est Mister423. Et aujourd'hui, eh bien, je vous retrouve pour un petit let's play qu'on va commencer tout de suite sur Les Sims 3. Alors, je n'ai aucun... pendant que je règle mon micro, je n'ai aucun add-on, voilà, c'est ce que je cherchais le mot. Et donc du coup, bah, on va se faire une petite série à la vraie époque des Sims. En sachant que je suis un petit peu fan de ce jeu. Voilà, veuillez m'excuser pendant que je recale mon micro encore. Parce que faut savoir que là, je tiens en main le premier Sims, donc les Sims 1 et les 2. Où j'avais deux add-ons, donc les Sims 1 où j'avais tout l'intégral et le 2 où j'en avais que deux add-ons en plus. Et donc, ben, sans plus attendre, justement, nous allons créer dans cette magnifique ville qui est celle de base. Hein. Voilà. Nous allons créer notre petit personnage qui nous accompagnera pendant toute l'aventure. Alors, donc c'est parti. Donc on va créer un Sims. Et tout ça en live. Oula, pendant que mon casque tombe, veuillez m'excuser. Voilà, je le replace bien. Voilà. Bon, il est dégueulasse, hein, je vous avoue tout de suite. Alors, on va l'appeler comment déjà? Je me demande... On va l'appeler... Allez, on va l'appeler... Non, pas Eureka, ça le fait pas du tout. On va l'appeler... Passive... un prénom pas trop dégueulasse. Hi, Mike. Mike, c'est pas mal. On va l'appeler comment? Non, pas deux. Je me tâte, hein, les gens. Je sais pas du tout comment je pourrais l'appeler. Déjà, c'est sûr que ça sera un jeune adulte. Au pire, on pourrait voir après, mais voilà. Alors, il est un peu musclé quand même, hein. Voilà. Pas le faire trop musclé. Le poids... Oh, tiens, un gros... Non, je déconne. On va pas le faire parce que moi, je suis fin quand même, hein. Bon, d'accord, je suis pas quand même un jeune adulte. On peut dire que je suis un adolescent. Voilà. Putain, je me tâte. Je me tâte pas la nouille, hein, comme quelques-uns auraient pu penser. Mike... de la veine. Non, je déconne. non, surtout pas, parce que ça craint, quoi, s'appeler comme ça, de la veine, sérieux. Ouais, j'hésite, là, je suis en train d'hésiter sur laquelle de touche. Bon, allez, on va faire un prénom hasard. King of Ski. Ok, allez, hop, King of Ski. Allez, c'est bon. Je suis pas du tout le roi du ski, mais bon, c'est pas grave. On valide ensuite le sexe, les cheveux. C'est parti, donc, on va faire à peu près comme... je ne vous m'appelle pas Mike, hein, comme certains pourraient le penser. Tiens, il a une grande beauté, là, on va l'enlever après. Donc, on va faire à peu près ma coiffure que je prends tout le temps. Déjà, je suis blond, ça, c'est sûr. Je suis un blond, moi. J'utilise pas cette coiffure. Certainement pas, certainement pas. Non plus, je pense que c'est celle-là, celle de base que j'utilise. Hein. Ouais. Ensuite, les sourcils. Alors, je les ai sortis à la racine des cheveux. Sauf que moi, ils sont basiques. Hein, voilà. J'ai pas de barbe. Hein. Hein. La tête et les oreilles. Alors... On va rester comme ça sur celle de base, hein, comme d'hab, les yeux. Bonsoir. Konnichiwa. Namasté. Voilà. Bon, c'était la petite parenthèse. Les monsieur... Bon, il a les yeux verts, ça c'est pas cool. Non, je fais les yeux volés. Putain, il n'y a pas marron. Il est raciste. Ouais, et oh, tu me les fais marron, quoi. Merde. Bon,
n'a pas un gros pif, hein, comme mon père. Ouh, ça c'était méchant. C'est pas grave. Pas de grains de beauté. Oh, merci, c'est bon. Parce que regardez. Alors j'ai des grains de beauté un peu de partout. Oh la tête que ça fait, quoi. Oh, ça fait trop moche, arrête. Il faut enlever ça, quoi. Taches de rousseur. Elles sont où les taches de rousseur? Oh putain, oh c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'enlève tout. Ah, je suis poupre. Regardez, je me mets du maquillage, moi. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. T'es déjà dans l'expression? Ouais, bah, on était déjà dans l'expression. Bon, c'est parti donc pour les vêtements. Alors, ouais, faut qu'il ait du style quand même, hein, pour draguer une meuf, hein. Parce que voilà, ça va pas être une petite série de rien du tout, de 2 secondes, de 6 épisodes, hein. Faudrait quand même un truc qui se suive longtemps, hein. Voilà. Donc ça va être la petite série qui va reprendre un petit peu Grand Fantasia, parce que Grand Fantasia, si, j'ai décidé de faire des vidéos de temps en temps dessus, mais sans plus, donc parce que ça m'a, je suis un peu dégoûtée depuis que tous mes records sont partis, donc voilà. En plus, c'était vraiment la merde, quoi, quand j'avais vu ça, j'étais trop dégoûtée, quoi, j'avais envie limite de supprimer ma chaîne. Heureusement, je l'ai pas fait parce que sinon, voilà, il est totalement dégueulasse, mon personnage, je fais de la merde. Hein. Donc déjà, on va le mettre un petit peu quand même, un petit peu limite classe quand même. Hein. Ça, mais c'est moche quoi, on dirait un papy. Non, faut que tu mettes un vrai truc. Non, quand même pas ça, ça fait un peu trop jeune. ça, ouais. Allez, hop. Ouais, pantalon blanc, truc rouge, voilà, quotidien, les chaussures par contre, moi je mets tout le temps celle-là, c'est vraiment les chaussures de sport. Ensuite, les tenues habillées, moi je mets tout le temps les tenues, je mets tout le temps celle-là à peu près, qui est vraiment pas mal. Avec des bonnes chaussures, hein, parce que il y en a qui viennent avec des mauvaises chaussures, voilà. Pyjama, voilà, c'est tout le temps comme ça, donc avec un petit slip. Voilà. Apprenez la pornographie. Enfin voilà. Apprenez le porno avec moi. Oh, des chaussons lapins. Voilà. J'adore les chaussons lapins, ça fait mimi quoi, mais c'est vraiment dégueulasse, sérieux. N'empêche que. Oh putain. Honteux ça. On va pas quand même le mettre en slip, on le met en caleçon, quoi. Désolé, mais c'est du vraiment un caleçon, quoi. Non, par contre, mets pas les caleçons de Tarzan, sinon ça va faire trop dégueulasse. Caleçon blanc, aïe hop. Tenue de sport. Bon, les mecs, sérieusement, ils sont tout le temps hein, à poil. Hein. Enfin, à poil, voilà. Ça fait trop maillot de bain, je suis désolée, mais tu vas courir. Pas avec ça, avec ça ou ça. Ouais, ça, allez, hop, je mets au pif, hein, les gens. Maillot de bain, bon, ok, il n'y a pas d'autre choix. Par contre, là, tu vas vraiment te mettre en slip. Hein. Parce que là, ok, voilà, t'as eu. Hop, et là, on est prêt. Il nous faut juste la personnalité, donc les traits de caractère. Alors, moi, je mets les traits de caractère la plupart du temps les meilleurs, hein, je vous avoue tout de suite. C'est pas grave, on s'en fout. Donc, génie, hop. Les meilleurs, quoi, si vous voulez. Chanceux. Je reviens. Me voilà, donc après une petite intervention de ma mère derrière le micro, sauf que vous avez rien entendu comme d'habitude parce que je le cache, le son. Voilà. Et bim! Voilà. Donc, voilà les traits de caractère que j'utiliserai. Donc génie. Voilà, pour augmenter un peu plus vite ma carrière, parce que voilà, on va pas tricher avec l'argent. Chanceux pour avoir un peu plus d'humeur, parce que. On gagne souvent et pas qu'un peu, en plus on a beaucoup de chance, donc du coup un athlète parce que je veux faire la carrière sportive, amical parce que je veux qu'il soit quand même un petit peu qu'il soit un petit peu quand même bien avec avec sa femme au début quoi, voilà quoi, qu'il vienne qu'il dise salut et tout quoi là, hein, quoi, parce que s'il est froid ou voilà des trucs comme ça, ça va pas le faire du tout hein. Et tourner vers la famille parce que tout simplement justement ça veut dire qu'au moins il sera parfait pour ça. Du coup, il sera parfait
pour chercher une meuf avec ses avec Amical et tourner vers la famille. Il est sûr de remporter le gros lot. Alors, athlète, athlète, bricoleur, on va prendre celui-là, devenir un athlète superstar, sauf qu'on gagne pas beaucoup, ça c'est un petit problème, donc on va pas vraiment le prendre finalement, on va prendre peut-être la médecine. Allez, la médecine parce qu'on a un téléo. Les préférences par contre, je déteste les pancakes parce que la salade Dunton, franchement voilà. Des pancakes, hein, y a quoi? Des raviolis? Non, un hamburger, non. T'aimes la musique personnalisée? Moi j'aime l'électronique, mais on va mettre classique parce que je suis quand même jeune adulte et ma couleur préférée dans la vie, c'est le rouge. Voilà, c'est cette parole qu'on va prendre. Voilà. Alors normalement le son est peut-être un peu fort, mais normalement ma voix passe par-dessus. Depuis que j'ai mon nouveau micro, c'est parfait. Micro de la mort qui tue. On va pas l'appeler King of Ski finalement. J'ai trouvé mieux. Enfin, je venais de trouver mieux. Bah tu as vu qu'on est... Voilà. Aïe hop! Non, je déconne. La porte. Voilà. On va l'appeler la porte. Hop. Alors, deuxième objectif, trouver un logement. Alors, je veux pas de terrain plein, merci. Cette maison. Oh putain, ça va être trop hard, quoi. 25 euros. Non. Je suis désolé, non. Je la prends pas vide, hein. Rien à foutre, moi. Non. Non. Elle est trop chère, hein. Il n'y a pas des bonnes maisons convenables hein, sur ce... Oh, j'aurais bien aimé celle-là. Un jour, on s'achètera un palace. Vous verrez. Quand on aura vraiment du fric, on s'achètera un palace. Oh, mais y a des parcelles par ici aussi. J'avais jamais vu. Oh, on peut bien... on s'installera ici. Cet endroit, je le prévois pour quand j'aurai du fric. On s'installera ici. Ça sera magnifique. On sera en pleine campagne. Ce qui est parfait. Y a vraiment plein de parcelles, n'empêche. Hein. Désolé si je souffle dans mon micro des fois. Mais il faut bien que je respire. Voilà. Alors, on va prendre celle-là. Hein. Franchement, c'est la seule que je puisse prendre. Qu'on l'achète meublée, comme d'habitude, il me reste 320 euros. Ça va être hard pour vivre. Hein. Ça, je vous le cache pas. Voilà. Il va falloir que je me fasse de la thune. Alors, cette maison, je la connais par cœur. Je l'ai déjà pris plusieurs fois, je crois. Si je dis pas de conneries. J'ai déjà un bureau, ça c'est cool. Alors ça, je le laisse là. Ça. Alors par contre, il me faut un ordi, quoi, parce que... Quoi? On n'a pas de télé. Oh mais c'est abusé ça. Ça c'est abusé. Alors, ça tu dégages. Parce que hein. Oh mais ça c'est abusé quand même. On n'a pas de télé. Putain, on n'a pas de quoi se payer un ordi. Est-ce qu'on a le droit, on a le, de quoi se payer un, on a le code se payer une petite télé. Bon, ça c'est cool. Voilà, on se paye une petite télé, ça c'est sûr. Mais putain, mais l'ordi quoi. Pire, est-ce qu'on peut pas s'acheter un petit lit de merde? Allez, celui-là. Osef. Trolololo. On se couchera dans un petit lit de merde, hein. Vous savez quoi? Ouais, mais il coûte trop cher. On va garder celui-là, il est déjà bien. Voilà. On va garder celui-là, mais il faut avoir dit, putain. Ouais, j'hallucine, quoi. Est-ce qu'on va pouvoir bien vendre? Bon, on verra. On verra quand on aura un petit peu plus de thunes.
J'ai pas voulu faire sportive finalement parce que je me suis souvenu, parce que j'ai déjà essayé. C'est bien trop cher. Là, hop, on veut pas rentrer dans ma propriété, ça sera une propriété privée. Putain. Alors, on a un parking si jamais on aura une voiture un jour, chose qui sera le cas, mais très longtemps après. Hop, on baisse et on fait mode vie, et c'est parti, parce que j'en suis sûr que vous rêvez de faire ça depuis longtemps. Bon, tu vas regarder la télé dès le début, toi t'es un gros flemmard, hein. Alors, qu'est-ce que tu regardes? Les infos, c'est de la merde. Séduction. Ouais, pas mal. Je ne sais pas du tout. Facteur. Oups, pourquoi j'ai mis comme ça? Je ne sais pas. On va le di on va lui discuter. Faire des petites choses sympas. Hein. Voilà, bon, le petit facteur, c'est skip. Petit facteur de merde. Et on va trouver un travail après. On augmente déjà notre relation avec un enfant, quoi. Non. Lol. Ciao. Voilà. Salut. Et puis moi, je vais me faire la carrière médicale. Juste avant, trop tard. Bon. La médecine. Allez hop, accepter carrière. Voilà, donc on a 22 euros de l'heure. Il va me falloir de la logique. Ça va être un peu chiant. Et on travaille tous les jours, sauf le week-end, de 9h à 15h. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Ok, c'est les nouveaux. Alors, c'est ceux qui sont venus me présenter. Allez, présentation amicale, il n'y a personne. En plus, c'est une meuf très moche. J'avoue, c'est le top. Dans cette ville, je vous allez voir. Les meufs, je crois que c'est pas vraiment le top, hein. Après, je dis ça, je dis rien. On va mettre séduction TV, hein, je t'avais dit. La petite lucarne enneigée, ça c'est chiant. Surtout avec les premiers, les premières télés, donc du coup, ça vous le fait tout le temps, ça. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les Sims, ben en fait c'est obligé que vous sachiez ça quoi, parce que des Sims, si franchement vous connaissez pas les Sims, ça craint quoi. Alors les Sims 3 encore, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport aux Sims 1, faut le dire. Donc je peux comprendre que vous ayez des choses. Déjà il y a ça là qui n'existait pas, il y a le téléphone portable. Tu vas le recycler ça après. Quoique on peut le vendre. Voilà. Allez, on vend. Hop là. Zéro. On n'a pas d'opportunité. Voilà. On a des bonheurs à la haut terme. Et voilà ce qu'on a comme récompense. Hein. Pas mal de trucs. Voilà. Voilà, donc vous voyez. On a vraiment pas mal de choses à faire. Et tout d'abord, ce que je voulais faire, aller dans mes options, parce que j'en suis sûre que... Voilà, mon espérance, 190 jours. Long espérance de vie, 190 jours. Épique. Oh là là. 25 jours, c'est pas beaucoup. 1960, vous imaginez ça un peu? 960 jours. Hop. Activer les leçons. Ok, activer le vieillissement. D'accord, ok. Libre arbitre, ouais. On va pas mettre épique quand même parce que quoi que je me tâte hein, mais non non 960 jours c'est trop long quoi. Ce paramètre, bon allez, on va mettre épique. Les gens, 960 jours de vie. 200 jours avant qu'on passe adulte. C'est
c'est l'équivalent d'un an, quoi. Un an avant de passer adulte. C'est énorme. Vous imaginez, ça veut dire qu'on a 200 jours. Donc, on va pas faire un jour par épisode, sinon on va arriver à l'épisode 960. On aura fini à peine la vie de ce Sims. On va pas faire ça quand même. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire peut-être 30 minutes donc de vidéo. Je couperai à l'arrache, hein, comme d'hab. Je recadrerai à la YOLO. 22 heures pour être en forme. Voilà. Et donc, du coup, ben voilà. Et je couperai à l'arrache comme d'habitude. Et c'est tout. J'ai un portable là. D'ailleurs, le téléphone, j'aime pas où est-ce qu'il est. Donc on va essayer de le mettre ici. Voilà. Non, on va pas le mettre quand même là. Putain. Je vais pas y arriver. Putain. Là, je l'ai eu. Voilà, petit enculé. Voilà, parfait. Alors, comme ça. Ensuite, ce que je voulais me faire, c'est de prendre un petit ordinateur portable, vous voyez. Voilà, c'est de prendre un petit ordinateur portable. Putain, on a oublié un truc super important. Oh, on a passé. Oh la vache, putain de sa mère. Oh putain. Ah, c'est bon, on est mort, quoi. Quoi que vous me direz. Ouais, ça, on n'en a pas besoin. Allez hop. Parce que sinon, on se fait braquer. Notre maison, on est mort. Notre maison, elle est volée. On est mort, là. Par contre, 15 euros, hein, ça va être le bordel, quoi. Oh, putain, 15 euros, quoi. J'hallucine, quoi. Bon. Dès qu'il y a les impôts, ça va être le bordel. C'est quoi ça? Ah bah, c'est mon alarme. Voilà. Comme ça, au moins, si jamais il y a un Sims qui rentre, s'il y a un voleur qui rentre, bim, il va se faire choper dans l'alarme. Bon, c'est pratiquement rare, mais je pense que 200 jours, ça devrait le faire quand même, hein. Donc, obligatoirement, on devrait avoir au moins un voleur, hein. Au moins un voleur, quoi, parce que sinon c'est pas vraiment possible. Puis je fais une toute petite ellipse, je reviens tout de suite après. Voilà, re tout le monde. Donc, après cette petite courte ellipse, enfin pour vous 2 secondes, pour moi 30 secondes, allez, voilà. Juste le temps d'ouvrir ma porte, parce que je préfère quand il y a la porte ouverte. Par contre, s'il y a trop de son derrière, je vous jure que je la refermerai, mais bon, je préfère. Bon, le mec, il se balade en slip chez lui, vas-y, hein, profite. En pige, pardon. Son pige, c'est un slip, donc voilà. Par contre, il faudrait peut-être que tu fasses à manger un petit peu là. Putain, calme-toi, calme-toi. Vas-y. Alors, hop, tu vas nettoyer, tu vas aller. Non. Voilà. Forte, hein, parce que je veux quand même que ça soit bien éclairé pour la vidéo, parce que sur YouTube, ce n'est pas le cas. Voilà. On peut faire une sieste, c'est pas sportif. Voilà. Rien de tel qu'après. Un petit truc, voilà. Bon, le petit problème, c'est qu'on peut pas faire de petits boulots. Alors, dans ce cas-là, vous voyez, on est bien dans la merde, parce qu'on peut rien faire. Alors, du coup, le truc, là, à faire, c'est qu'on va tenter de rendre ce canapé qui sert à rien, cette lumière, la mettre ici, ce truc qui sert à rien, et pouvoir m'acheter putain, ceci. Parce qu'on peut pas s'acheter. Donc on va essayer de se faire déjà un peu de thune, hein, dès le début. Ça, on va le placer ici. Juste ce truc, je vais le mettre là. Voilà. Hop.
Voilà. Et on va se faire un petit peu de thunes, s'entraîner, grande. Allez hop. C'est parti. Par contre, s'ils nous demandent de faire une nature morte, on n'a pas grand-chose, hein, pour faire ça. Donc, du coup, on va attendre un petit peu qu'il continue ça. Alors que j'ai une dent qui me fait assez mal. Hein. Veuillez m'excuser. Voilà. Voilà. Bon, ça me fait moins mal. Parce que j'ai trouvé la solution du problème et je dirai rien. Bon, évidemment, plus la toile est grande, plus c'est long à la faire. Voilà. Donc on va s'arrêter ici parce qu'il est quand même 4 heures. On bosse demain. On bosse à 9h demain, donc dans 2 heures, il va falloir que tu te lèves. Bah parfait, c'est nickel. Dans 2 heures, t'es prêt, tu prendras un repas rapide, des céréales, et tu manieras le cul d'aller au travail. Voilà. Veuillez m'excuser avec le bruit derrière. Alors, il a bien commencé. Hein. Oh, mais sérieusement, les Sims, je n'arrive pas qu'ils payent comme ça quand même, n'empêche. Gardez-moi ça. Ah merde. Ah, c'est l'heure, bouge ton cul. Touche-toi. Bouge ton cul, là. Fais le lit et tu te bouges. Allez, bouge-toi, vite. T'auras pas le temps d'aller chiotte, putain. Oh putain, ça va abuser. On va le suivre. What? Il s'appelle quand même Klingovski. Ah, je savais pas. Pourtant, je l'avais appelé la porte. travail et durée. T'es un vrai travailleur, toi. On le sait. Hop, après, tu entres à la maison. Voilà. Avec le petit facteur, mon pote. Ça va? Ouais, toi, bien, bien. Voilà. Avec mon pote, le facteur. De toute façon, j'irai recycler ce truc. Voilà, dès que je rentre. Ouais, ça monte, ça monte. Allez, 15h. Putain, je suis donneur d'organes. Oh! Dans un métier où le patient passe toujours en premier, le donneur d'organes est la quintessence. Cette philosophie, faire un don en gardant le sourire fera largement avancer vers l'autre côté du scalpel. Ok. J'ai pas tout lu. Chien. Hein. Alors essayez de gérer au mieux cette situation périlleuse. Ouais. Et comme ça, quand je serai médecin, bah du coup, niveau 10, quand j'aurai des enfants, je les ferai vacciner. Je les vaccinerai moi-même. Voilà. Avec les aiguilles de la mort qui tue, que j'aime bien. Putain, le mur, elle descend, hein. Très content, là. Ça reste stable, fait chier. Et tu rencontres le personnel médical, parce qu'il faut quand même que tu te fasses un max. Un maximum, je dis bien un maximum d'amis tout le long de cette aventure. On a le temps pour chercher une meuf. Et puis, bah voilà. Voilà, donc. Maintenant, t'as trop envie de dormir. Bah, tu vas dormir. Ah, parfait. Ok, d'accord. La voiture qui est très... Oh, putain, mais elle a pas peur, elle, hein. Oh, mon Dieu. Taxi qui fait un demi-tour comme ça, j'ai jamais vu, quoi. Jamais vu. Ouais, speed un peu, là, quand même. Parce que n'empêche, là, c'est un petit peu abusé. Déjà, le coup de je passe par dessus, enfin, je
à travers la voiture, elle est bonne, mais alors celle-là, je fais demi-tour comme un taré, et encore mieux quoi. C'est abusé. Putain, il doit arriver. Mon Sim se rêve. Il rêve de je sais pas quoi, mais en tout cas il doit arriver parce qu'il s'amuse un petit peu, hein. Il s'amuse quand il dort. Ça, je savais pas du tout. C'est normal. On a 133 euros dans le foyer. C'est cool. Voilà. Putain, j'ai aucune compétence, oh mon dieu. Lol. Bon, pour la logique, il va falloir que je fasse des échecs et tout, donc échecs ou jouer ou résoudre ce qui peut être résolu sur l'ordinateur. Mais pour cela, il me faut de l'argent et donc le seul moyen, et ben, c'est en carrière. Par contre, il est un petit peu faim, tu vois, mon Sims. Alors, tu vas te lever, hein, parce qu'on n'est pas fainéant, hein. Tu vas prendre un repas rapide? Ouais, des céréales, ça ira. Le mec, il prend des céréales à 20h, quoi. À 20h30. En plus, il fait déjà nuit, je suis en session, on est en été. Enfin, il fait... À 20h, il fait déjà nuit, tu sais. C'est abusé, un peu, le truc, quoi. Ouais, casse-toi, toi. Putain, mais t'es vraiment un porc, quoi. Ah non. En fait, c'est les... C'est le matériel qui est pour.